adorer Jésus. Chantons ton nom de gloire. Ton nom de gloire. Il en est bon. Ton nom de gloire. Tu es le bon. Ton nom de gloire. Oh, Jésus. Oh, ça va aller. Ton nom de gloire. Ça va aller. Ton nom de gloire. Ton nom de gloire. Ton nom de gloire. La vie. Jésus. Go back!
venir pousser des cris de joie. Est-ce que nous pouvons faire le bruit dans la présence de Dieu? Est-ce que nous pouvons faire le bruit dans la présence de Dieu? Nous pouvons monter avec les acclamations. Bien-aimé, Élie a dit à Akab, mange, monte et bois. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Si tu montes dans les acclamations, qu'il y ait un bruit qui annonce la pluie dans ta vie. Si tu montes dans les acclamations, qu'il y ait un bruit qui annonce une nouvelle saison. Si tu montes dans les acclamations, qu'il y ait un bruit qui annonce ces choses. Nous voulons adorer notre Dieu. Nous voulons adorer. Bien-aimé, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire de l'Éternel s'élève sur ta famille. La gloire de l'Éternel se lève sur ton foyer. La gloire de l'Éternel se lève sur ton travail. Nous voulons adorer. Nous sommes dans le livre des Philippiens. Nous lisons Philippiens. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, le verset 5 en descendant. Écoutez ce que la Bible dit. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. 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 En lui donnant le nom, en lui donnant le nom, en lui donnant le nom, en lui donnant ce n'est pas un nom, mais en lui donnant le nom, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, à la gloire de Dieu le Père, à la gloire de Dieu le Père. Nous voulons nous prosterner en ce moment. Bien-aimés, en ce moment, j'aimerais que nous nous prosternions devant l'Éternel. Que nous tous nous puissions descendre à genoux. Que nous seuls puissions occuper la place que nous avions occupée. Parce que le seul, il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de créateur en dehors de notre Dieu. C'est lui le créateur incréé. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Si tu peux commencer à monter dans l'adoration, tout en te prosternant devant l'Éternel. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié. Thank you.
nous offrons, Seigneur, que tu sois là. Ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne délivre-nous du mal. Appartiens-le toi, appartiens. Que ton nom soit élevé, Dieu.
Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie, Jésus. Que tu es le pilier, Seigneur, qui soutient au Père et à Jésus. Jésus, tu es le pilier, au Père, qui soutient à la soirée comme le temps de l'Orient. Que lorsque je marche dans la vallée de l'Orient, la Bible dit que j'ai un cœur qui est Oh,
De la parole. Depuis toute la semaine, nous avons eu le privilège de recevoir en ces lieux le révérend pasteur Jeff, celui qui nous a nourris durant la semaine, et aujourd'hui c'est la fin. En ce moment, j'aimerais que nous puissions l'accueillir avec joie. Alors qu'il s'avance, nous manifestons la joie, nous poussons les cris de joie. Amen. Et Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Orchestre, que Dieu ajoute encore l'onction. Je dis merci à Dieu pour m'avoir accordé cette opportunité de se tenir devant vous. Je lui dis sincèrement merci. Je dis merci à maman parce qu'elle représente papa. Maman, merci pour cette marque de confiance. Telle que je l'ai dit le dimanche passé, Dieu peut parler, que je puis, Dieu peut parler pour que je puisse intervenir. Mais bon, la Saint-Esprit a fait c'est pas facile de t'attaquer moi. Mais Dieu est la marque de confiance. Maman m'a mis un accent Kabissa. On t'appelle un accent Yangu quoi papa. Moi, je ne suis pas visiteur dans cette église. J'espère que marathon est à Kwanza. Il est à 21 jours. Mimir Kouyaka, mon garage. Il est orchestre Kouyaka et Ming. Moi, j'étais là. 28 personnes, mécanisme n'y avant tout 16. Pitch Abinaku. Moi, j'étais là. Quand on avait encore construit, Mirkoyagatena, j'espère qu'il y a si pas 5 ans, c'est 4 ans. Pour dire que je ne suis pas un visiteur, je dis merci au berger Petro pour cette marque de confiance. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Je dis aussi sincèrement merci parce que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais bien avant cela, je voulais honorer quelques hommes de Dieu. Je vois un berger qui est venu m'accompagner, c'est le berger Alain. On me dit, est-ce que tu peux te tenir debout? Berger Alain, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Est-ce qu'on peut l'encourager avec les mains? Je vois aussi dans la salle un avocat de notre cabinet. Maître César, est-ce que tu peux te tenir debout? Que Dieu te bénisse. Je dis merci à ma très chère épouse qui ne cesse de me soutenir jour et nuit. Je suis marié à une seule femme, elle est là.
père de trois enfants. Et tous les trois enfants ressemblent à leur maman. Et tous mes enfants sont, j'espère qu'ils sont là. Moi, j'aime quand je prêche que mes enfants soient là pour qu'ils commencent à comparer les papas de la maison et les papas qui est à la chair, comme beaucoup de différence. Je ne sais pas si papa est un peu ni wa makari mbaya ame wa kushere yako telemoa bia mina pendaka ni unaubiri watuto wangu weko hapo jubanse kwa ngara papo wa kunyumba na wa umaubiri kaba na chana ke Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Je sais de la manière dont on vient de commencer, mais on ne sait pas de la manière dont on va terminer ce culte. Et ça m'amène mon quoi bien. Je sais de la manière dont nous venons de commencer, mais je ne sais pas ce que le Saint-Esprit va faire. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean 4. Jean 4. Jean 4. 5. À 10. Jean 4, 5 à 10. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole? Jean 4, 5 à 10. Je vais lire au nom de Jésus. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du camp de Jacob, près du camp que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire ?» À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. C'est-à-dire, il y avait une limite. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui donnerais toi-même, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aille plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Quelqu'un peut dire, je vois que tu es prophète. 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jean 2, 6. Jean 2,
Jean 2, 6 à 7. Oh, il y avait là six vases de pierre. Quelqu'un peut dire six vases destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Huit, cuisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Amen. Notre texte de base, Actes. Actes 16. Nous commençons à partir du 16e verset. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna, dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. 30. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Monte encore, que Dieu te bénisse. Aidez-moi à dire des personnes que bon appétit. Aidez-moi à dire à des personnes bon appétit. Aidez-moi à dire à des personnes bon appétit. Dis à des personnes bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui bien, bienvenue dans la présence de Dieu. Si c'est en anglais, dis-lui, the coming of presence is Jesus. Namini anglais minasema. Dis-lui bien. Welcoming the presence of God. Dis-lui bien. J'aimerais te prophétiser ce matin. Tout celui qui est venu en ce lieu, qu'il rencontre le Dieu qui exauce la prière. La prière que tu as effectuée pendant toute la semaine. Aujourd'hui, c'est l'exaucement de ta prière. Pesanga, amène-moi quoi bien, j'avance. Donne-moi un bon amen, j'avance. Laisse-moi te dire, tu es dans un lieu où les choses changent. Tu es dans un lieu où les maladies finissent. Tu es dans un lieu où les problèmes trouvent solution au nom de Jésus. S'il y a un endroit qui dépasse les barres, qui dépasse les fêtes, qui dépasse les réunions des ministres, qui dépasse les meetings, c'est dans la présence de Dieu. Je proclame en disant, tout celui qui est venu en ces lieux, qu'il rencontre le Dieu qui exauce la prière. Je proclame en disant, tout celui qui est venu en ces lieux, que Dieu l'exauce au nom de Jésus. Tu me dis amen, je prophétise. Tu me dis amen, je parle. Amen. Tu me dis amen, je prêche. Oh, la présence de Dieu suce même la maladie. La présence de Dieu suce même le chômage. La présence de Dieu suce même la stérilité. Sois sensible à la parole de Dieu parce que tes affaires, ton ministère, ton travail, ta santé va connaître la résurrection aujourd'hui. Et monte encore. Je proclame dans la vie d'une personne, pendant que je parle, Dieu est en train de clôturer des choses dans ta vie. Il est aussi en train d'inaugurer des choses dans ta vie. Je clôture des choses. Je mets fin à l'échec. Je mets fin à la maladie. Je mets fin à la mort. Je mets fin au règne des ténèbres. Je mets fin. Je commence à inaugurer. Je te prophétise en disant, je commence à inaugurer une nouvelle saison. J'inaugure la nouvelle saison de la santé, la nouvelle saison des miracles, la nouvelle saison de prospérité, la nouvelle saison d'élévation.
la nouvelle saison de la guérison, la nouvelle saison, la nouvelle saison, la dis à ton voisin, c'est la nouvelle saison. Dis-lui bien, c'est la nouvelle saison. Écoutez, j'aime la présence de Dieu. La grande erreur que nos ennemis commettent, c'est de nous laisser venir dans la présence de Dieu. Laisse-moi te dire, la grande erreur que nos ennemis commettent, c'est de te laisser venir dans la présence de Dieu. Écoutez-moi très bien. La première erreur, dans la Bible, il y avait une veuve, et cette veuve-là avait un seul fils. Quelqu'un peut dire un seul fils? Avance encore, un seul fils. Cette veuve avait un seul fils. Alors, la Bible ne nous explique pas. Ce fils-là est décédé par quelle maladie? Mais la Bible nous dit ceci. On allait pour l'enterrer. Laisse-moi te dire, les ennemis avaient oublié. On allait pour l'enterrer. Laisse-moi te dire, même si les ténèbres t'amènent au cimetière, même si les ténèbres t'amènent à la maladie, même si les ténèbres t'amènent au chômage, ce n'est pas grave. Pendant qu'on allait pour l'enterrer, la Bible dit ceci. Ah, ça j'aime. Dis d'abord, pasteur, avance. Très fort que ça, pasteur, avance. La Bible nous dit, c'était le fils unique de sa mère. On allait pour faire quoi? L'enterrer. Dans la ville, c'était le cortège funèbre qui allait enterrer le fils unique. Mais ce que j'aime, le maître des temps et des circonstances, lui aussi, il faisait son entrée. Il faisait son entrée. Il faisait son entrée dans la ville, papa. Le fils unique de sa mère, on allait pour l'enterrer. Mais à l'entrée de la ville, le fils unique de son père, lui aussi l'entrée. En d'autres termes, de l'autre côté, le cortège funèbre. De l'autre côté aussi, le cortège de la résurrection. Le cortège funèbre. Là où il chantait, Undamina Banabashala, Abangite, Waleza. Mais à l'entrée de la ville, il y avait le maître des temps et des circonstances. Aujourd'hui, il y aura des rencontres entre le cortège funèbre et le cortège de la résurrection. Il y aura des rencontres entre le cortège de chômage et le cortège du travail. Il y aura des rencontres entre le cortège de la mort et le cortège de la résurrection. Il y aura des rencontres entre le cortège du célibat et le cortège du mariage. Il y aura des rencontres entre le cortège de la stérilité et le cortège des enfants. Qui passeur avance? Qui passeur avance? La deuxième erreur, en Israël, on enterrait les gens avec des bandes. Amen. C'est pourquoi même Jésus, on a fait enterrer avec quoi? Lazare, avec quoi? Mais cet enfant qu'on allait enterrer, la Bible dit, on l'avait mis dans le cercueil. Or, le cercueil, en hébreu, ça signifie arche. Amen. Dis, pasteur, avance. Soyons ensemble. Les trois vendredi. Dis, pasteur, avance. Ah oui, Afrika. Dis, pasteur, avance. Or, le cercueil en hébreu de Dieu, ça signifie quoi? Arche. Or, dans l'arche, ce qui était périssable, si vous le prenez, vous le mettez dans l'arche, il n'a pas tanini, Fujima. Comme ils ont commis l'erreur
de mettre ses petits dans le cercueil, qui signifie l'arche. Bougie, il fallait bougie. Ce matin, la vie va entrer dans ta vie. Tu auras la vie. Tu auras la vie. Tu auras la vie. Tu auras la vie. Je prophétise une personne. Ce qui n'allait pas bien, aujourd'hui ça va aller. Ce qui était bloqué, aujourd'hui ça va se débloquer. Oh, dis d'abord ça va marcher. Dis d'abord ça va aller. Ce matin, tout ce qui n'allait pas, ça va marcher. Ce matin, tout ce qui était bloqué va se débloquer. Ce soir, ce matin, il y a le cortège de la résurrection. Je proclame que Jésus ressuscite ton enfant, que Jésus ressuscite ton travail, que Jésus ressuscite tes enfants, que Jésus ressuscite tes finances, que Jésus ressuscite. Oh, qu'il ressuscite, qu'il ressuscite. Il ressuscite. Pendant que je parle, tout ce qui était mort dans ta vie va reprendre la vie. Tout ce qui était mort dans ta maison va reprendre la vie. Dis-moi amen, j'avance. C'est ma main, il y a bien. C'est ma main, il y a bien. C'est ma main, il y a bien. La Bible déclare, il y avait trois personnes. Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible nous dit ceci. On les a jetés dans la fournaise. Quelqu'un peut dire dans la fournaise? Pandatena. Quelqu'un peut dire dans la fournaise? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Qu'ils sont entrés dans les faits. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Les liens qu'on les avait enchaînés avaient brisé. Alors, parce que bien, la Bible déclare, il est malien par ennemi, par le famille, par la foule des familles, il rumoua, mais mangoua yabo. Yo, il faut faire. Oh, laisse-moi vous dire, il y a un miracle à cause de la présence de Dieu. Vous savez, malien, ni par ennemi, par le famille, par la foule, mangoua, quoi, ni, ni. Niabo, laisse-moi te dire, ce qui est de l'ennemi, ce qui est de l'ennemi, va se brûler. Ce qui est de l'ennemi, va se brûler. Ce qui est de l'ennemi, va se brûler. Mais ce qui est à toi, est à toi. C'est ma belle, est à toi. Ce qui est à toi, est à toi. Comme le mariage, est à toi. Le travail, est à toi. Mais ce qui est de l'ennemi, va se brûler. Ce qui est de l'ennemi, va se brûler. Ce qui est de l'ennemi, va se brûler. Mais ce qui est à toi, est à toi. Le mariage, est à toi. Le travail, est à toi. Les finances, sont à toi. Je te prophétise, tout ce qui appartient à tes ennemis, les liens de famille, la malédiction, les combats, Dieu va les brûler, Dieu va les détruire. Au nom de qui me dit amen, reçoit. Qui me dit amen, est béni. Qui me dit amen, j'avance. Qui me dit amen, je prophétise. Bien-aimé, salit trois personnes en leur disant, Yabaloji, Italungula, Meyangu, Mitengia Nayo. Dis-lui très bien, Yabaloji, Italungula, Meyangu, Mitengia Nayo. Si tu veux parler en langue, parle en langue. Si tu veux prophétiser, prophétise. Si tu veux crier, crie. 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 Le vendredi, j'ai dit ceci, le dimanche, nous allons suivre les messages à voisins fermés. S'il faut crier, tu vas faire quoi? Crier. S'il faut prophétiser, tu vas faire quoi? Si ton voisin te dit, tu me déranges, dis-lui, il y a mon chambre, il y a mon chambre. C'est le message à voisins fermés.
Laisse-moi te dire, ataka maribamba ya, busubi bwaleo batacha. Oh, mina sema batacha. Mina sema batacha. Mina sema batacha. Ce qui est à toi, est à toi. Le mariage est à toi. La victoire est à toi. Les miracles est à toi. Maman, un jour, banabeba arche. C'est ma banabeba arche. Chikuma manabeba arsh. Barenda kumutoe nani? Barenda kumutoe nani? Pour dire Dagon, toi tu es plus fort que l'Éternel. Appelle quoi nous? Alors pita. Valeur reba longa mumukulu yako banenda na muchanga. Acha bende nani? Peut-être orikanika kamangua. Banabeba mangua yako intimité banenda na muchanga. Acha bende nini nayo bana beba ars bana mtoeyo nini Dagon pour dire que Dagon toi tu es plus fort que l'Éternel. Écoutez-moi très bien, Dieu ne peut pas laisser son trône joindre à ta foi tes ars. Dieu ne peut pas laisser son trône joindre à ta foi tes mariages yako. Dieu ne peut pas laisser son trône Jwenda kafuate nguwa yako ele baribebaka. Me ile nguwa yako baribebaka. Yo inyeta produire maefe. Banabeba arsh. Bana mutowea Dagon. La Bible déclare. Arsh inasa kuproduire nini? Maefe. Croix. Crois, tu seras sauvé. Banabeba arche, banamutoea Dagon. Mais moule arche ribakia, il n'a pas produire nini. Il n'a pas mis à la cotoya comme elle va arriver à la mouchanga. Banabamba bousasi wako, à panibou na sema, il n'a pas produire ma effet. Kaji yako ele baribeba. Hapa ni unasema. Yansa kuproduri maefe. Utumisi wako baribamba. Hapa ni unasema. Yansa kuproduri maefe. Oh. Pale na produri maefe. Banasema. Tutalurisha. Arshi de ya Mungu. Je. Tushilurisha mikono nini. Oh. Baribamba mutoto moya me utakuwa shimpundu. Banabeba arsh, bana mtoea Dagon. Me Biblia nasema, kesho wana wakumpata Dagon nini? Nasema bien. Bana mpata nini? Aloro misu yaba filiseka barikuwa ni baluba. Bana kuwa mbele bana mulamusha Dagon. Dagon, mwana mulu meikui tena. Mwana ume uriwe keko. Dagon, augu mwana ume. Mwana ume uriwe keko. Bana beba Dagon, bana muniangula, bana mwikarisha, mwana mulu mekuitela. Mais la Bible déclare, bana wahu mpata Dagon face contre terre. Maladie face contre terre. Chômage face contre terre. Échec face contre terre. Division face contre terre. Banamwambia Dagon uriweke ako. Mwana ume ni kuriweka ako. Baneriweka ka. Taka ulogo na kombana nene wa mkipimo yako. Ha. First contre te. First contre te. Sema first contre te. Face contre terre. Laisse-moi te dire, un jour, il y avait cet homme de Lazare. Cet homme est décédé. C'était fini pour lui. Si je te regarde, je te vois comme Lazare.
c'est fini pour toi. Il n'y a pas ici, il n'y a pas de secours. Laisse-moi te dire, pendant que c'était fini pour Lazare, mais il y avait une question que Jésus était en train de poser à ses sœurs. Où l'avez-vous mis? Mangaribi ya leo, kule kote bari kushika, kuku entretien moya, entre ba malaika, on a posé, où l'avez-vous mis? Kule kote bari pelega maisha yako, bari pelega batoto yako, bari pelega finance yako, bari pelega promotion yako. Jésus pose une question, où l'avez-vous mis? La Bible déclare, bana mu diriger Yesu. Jésus arrive sur la tombe de Lazare. Ah, ça j'aime. Oh, pika mbele mikono avant de vous expliquer. Jésus arrive sur la tombe de Lazare. La Bible déclare, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Ma usubibu leo, aina Lazare, weka sa jina yako. Jeff sort. Pedro sort. Mina prophétise, mariage au reka mutuburi, longari usubibu leo, mon mariage sort. Mon travail, mon élévation, mes enfants, sors. Dis d'abord, je sors. Plus fort, je sors. Monte à gauche, je sors. Dis d'abord, oh, quelqu'un peut se tenir debout en disant, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors. Au nom de Jésus. Dis d'abord, je sors. Il a crié, Lazare, sors. Yote le barishi, kamishwa ni mariage. Ou mouye kapo mariage, kama ni kashi. Ou kapo kashi, kama ni élévation. Ou kapo ni élévation, samin na besoin na makuta. L'argent, sors. C'est malheur, nous natoka. C'est ma pas la liberté provisoire. Je vous ai expliqué la liberté provisoire. Hein? C'est ce que Pharaon avait dit aux enfants d'Israël. Vous partez, que vos femmes. Hein? Parce que Rio Sema, Goufou ya mon homme, ni nani? Ni bibiak. Kama banenda, bata finir pa kufanini? Or, liberté provisoire, kama na kwa kordé, wata ku parke. Utansi wanda kuti présenter chaque mardi na chaque nini? Vendredi. Et puis, auta voyage, kuta mbuka lualaba. Auna tout libre sana. C'est pour cela Moïse a dit. Atari nkucha ita fwa nini? Oh, leo. Atani katoto kamusha kata baki. Acha mbe ni ubiri, ha? Ni ubiri mbe. Nife nini? Ni ubiri mbe, njoto zona bile vingine pita fwati. On nous parle de Jésus avec la femme samaritaine. Amen. On va nous mettre un autre thème, rapidement. Notre thème. Quoi? Orientez-le bien, c'est fait. Croix au Seigneur, Jésus-Christ est, c'est fait. Je te bénisse. A toi qui est un bébé. Amen. Crois au Seigneur Jésus-Christ et ceci. Ici, on nous parle de la femme samaritaine. Parce que nous sommes dans une convention évangélique. Alors, Jésus, il fallait qu'il évangélise. Je me pose la question. Il avait les disciples. Mais la Bible nous dit, ses disciples sont allés chercher quoi? À manger. Est-ce que quand on a fait un peu de temps, il fallait bien des bottes. Est-ce qu'il fallait bien des bottes?
Alors, Yesu a comprendre. Yemunye comme il fallait évangéliser. La Bible nous dit ceci. Il est allé au puits. Lorsque on veut évangéliser, il y a aussi les stratégies qu'il faut monter. Amen. Pourquoi Jésus s'est adressé, il est allé au puits? Parce qu'il savait que Kukishima, Bakushotama, il va faire nini, Abakusak. C'est aussi là que évangéliser. Soit dans le temps que tout est non, dans ma stratégie, on a monté dans le Dieu à Nini, il y a évangélisation. Je vais rapidement. Alors, lorsqu'il est allé au puits, c'était un bon endroit. Dans l'évangélisation, il y a aussi des choses qui comptent. Il faut choisir les bons endroits et les bons moments. Amen. Dans l'évangélisation, il faut choisir quoi? Les bons endroits et les bons. Les bons endroits, lorsque Jésus, papa, est allé au puits, c'était un bon endroit pour trouver les gens. Amen. C'était un bon endroit pour trouver quoi? Les gens. C'était un bon endroit. Je vais vous donner un exemple. Je vois par exemple, quand on a fait évangéliser, on a quand même monté pointé pays qu'on a y est y a pays. Ni endroit moi y a bien. Y a ou pas ta nini? Il n'y a pas de vente. Mais quand on est dans une situation où on a évangélisé, on a une situation où on a fait un carburant. On a fait un mapi. Tu as une belle moutre, on a fait un carburant, on a fait un évangélisé, ça sera un problème pour toi. Alors, lorsqu'il a choisi les bons endroits, Jésus a localisé la femme. Amen. Au bon endroit. Il a visé les bons endroits, c'était les puits. Parce que là-bas, l'homme de Dieu, il savait que écoute, pas comment toi, t'as fait nini, pas t'as quoi pour chaud ta main, je vais rapidement. Et le puits que je te parle aujourd'hui, c'est l'église où nous sommes. Amen. Alors, au puits, et le bon moment aussi, il avait aussi soif. Le bon endroit, c'était par rapport au puits. Et le bon moment, Jésus avait soif. Le bon moment, cette femme aussi allait puiser quoi? De l'eau. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais rapidement parce que là, on est au courant une semaine. Pour l'autre, a expliqué pour les pauvres. Alors, quand Jésus s'est retrouvé au bon endroit et au bon moment, cette femme aussi, elle est venue puiser de l'eau. Alors, Jésus a prophétisé. Jésus a prophétisé la prostituée. Jésus a... Ce que j'aime dans la vie de cette femme, papa, cette femme aussi, elle était fatiguée de cette vie-là. Amen. Je sais que tu es fatigué de cette situation. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va te consoler. Elle était fatiguée, homme de Dieu, de cette vie. Comme preuve, regardez la prédisposition de cette cette femme-là, elle était prête à recevoir quoi? À recevoir Jésus. C'est pour cela que j'ai parlé au courant de la semaine. Lorsque l'esprit de Python te pousse, te réclame, parce que nous avions expliqué l'esprit de Python n'attaque pas n'importe qui, n'attaque pas n'importe comment et n'importe où. L'esprit de Python attaque seulement un homme de qui? Oh, parlez très fort. Un homme de qui? De qui? Un homme de réveil. Pourquoi cette servante-là qui avait l'esprit de Python attaquait seulement Paul? Parce que Paul était un homme de réveil. Et derrière Paul, il y avait une grande foule. Et vous allez remarquer aussi cette femme. Cette femme, quand Jésus l'a prophétisé, va amener ton mari. Anangara Sata. Ou bien, ça, c'est un enfant. C'est que j'aime cette femme aussi, elle était fatiguée de cette vie. J'espère que je sais que tu es fatigué de ta situation. Je sais que tu es fatigué de cette vie-là. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut te consoler, c'est le Seigneur Jésus. Frère, nous pouvons te voir. Tu es en costume comme moi. Tu es bien habillé, mais
toi-même, tu sais qu'il y a un problème qui te fatigue. Tu sais très bien qu'il y a un problème qui te fatigue. Cette femme-là était fatiguée. Comme preuve, regardez sa disposition à recevoir la parole de Dieu. Elle a reçu la parole de Dieu. Et pendant que Jésus parlait, cette femme-là, elle était en train d'écouter. Ça, c'est un. D'aider. Elle était en train de concevoir déjà. Des trois, elle était en train de créer. Quatrième des choses, elle a commencé directement à comprendre. Mon mission. Est-ce que tout le monde a dit bien? Pendant que Jésus parlait, j'ai dit premièrement, elle faisait quoi? Elle écoutait. Deuxièmement, elle était en train de faire quoi? De concevoir déjà dans sa tête. Troisièmement, elle était en train de faire quoi? De créer déjà. Et la quatrième des choses, elle a fait quoi? En entreprendre quoi? Entreprendre déjà, nous sommes en Ningia Munini. Mon mission, mon évangélisation. En amoua chambele Yesu, en enda pour évangéliser. Oh, derrière elle, il y avait une grande foule. Derrière toi, il y a une grande foule. Derrière toi, il y a une grande foule. Vous savez, pendant que Jésus était en train de lui demander, donne-moi de l'eau, elle disait, non, il n'y a pas de relation entre vous et nous. Il y avait une limite. Mangaribi, allez, ma limite, je vais vous bloquer. Vous suivez, allez, je vais vous bloquer. Ma limite, je vais vous empêcher, je vais vous bloquer. Mina angusha ma limit yote. Oh, kwenda kwa Yesu kwa ule mwanamuke, ilikuwa na yoni kwenda kuanile, kufunja ma limit yote, kwesha kubaseparaka. Sema amen ya bien. Sema amen ya bien. Parce que cette femme là a dit, il n'y a pas de relation entre vous et nous. Or, quand Jésus a parlé de la part de Dieu, cette limite là est tombée. Leo limiti yote iko naanguka pa maisha yako. Mimi nasema tutaomba na dima tutaomba na kitashi. Ma limiti yote iko naanguka pa nini? Pa maisha yako. Or j'ai dit ceci le vendredi. Si quelqu'un est en prison, eli prison ataiko kunene sa province ya Luanda bena bakia paka nini? Ina bakia paka prison. Unaona mtu kama yuko mu prison ashina na jouissance. Hata kama una moto kwa mu prison lo sasa kwa limité. Vous savez, j'ai dit ceci. Les diables peuvent te laisser, mais ils détruisent la qualité de la vie. Ils détruisent quoi? La qualité de la vie. En a quoi tu as un aïchitou? Mais on a détruit la qualité à Nini, Yamaïcha. Que Dieu nous bénisse. Les diables peuvent te laisser chanter. Mais il détruit la qualité. Or, il est en fagna quand mouto à quoi mouto, c'est la qualité de quoi? Entre pour vivre 100 ans, il y a ma terre sonnée dans Kumbing. Na pour vivre 60 ans, il y a bonheur. Na yon en da Kumbing, tu as chaboulé. Entre pour vivre 100 ans, il y a ma terre sonnée. On est dans Kumbingu. Na pour vivre 60 ans, il y a bonheur à Papa Dunia. Na on est dans Kumbingu. L'homme ne s'attache pas, retiens ça. L'homme ne s'attache pas à la longueur de la vie, mais à la qualité de la vie. Nous sommes même les juges. Job 6:6. Rapidement, 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 Job 6:6. Rapidement. Job 6:6. Somène à Ecclésiaste 6:6. Ecclésiaste
Est-ce que vous avez dit Ecclésiaste 6:6. Ah, Mouchiki Ebiasema. Et quand celui-ci vivait 2000 ans, sans jouir. C'est moi, Moussoua, il est bilan pour Fanini. On a ici 2000 ans par dunia. Mais au Fanini, au Furaï, c'est pour cela que j'ai dit l'homme ne s'attache pas à la longueur de la vie, mais à la qualité de la vie. Je suis comme Pharaon à me poser Jacob question. Quand on va dire à Mia Kangapi, Yakouishi, Jacob en a dit mes années sont peu. Très bien, que Dieu te bénisse sur la somaka. À cause de leur qualité qui n'était pas bonne. Mais vous savez, ma tête, on a fait chaka, il a diminué, na bouingi anin, ya maisha. C'est aussi là que je me disais à mon pardon, mon ma tête, son irumie. Bien aimé dans le Seigneur, à cause de la souffrance, tu peux commettre même les dégâts. À cause de la souffrance, tu peux commettre même les manquables. Que Dieu nous bénisse. Cette femme-là, elle était fatiguée de cette vie. Je sais que toi aussi, tu es fatigué de cette vie. Mais si ce matin, tu vas implorer la grâce de Dieu, Dieu est capable de changer tout. Oh, ça m'amène à bien. Aujourd'hui, il y aura le changement de Makinko. Voilà pourquoi je suis là, je suis là, Direction à Ikanisa, il a changé. Pendant que Jésus parlait, elle était prête. La Bible nous dit, elle est allée annoncer. Bien aimé, elle était vase vile. Elle n'avait pas de valeur. Elle était rejetée. Mais Dieu l'a transformée. La parole de Dieu va te transformer ce matin. La parole de Dieu va transformer ta famille. La parole de Dieu va transformer tes enfants. Et la parole de Dieu l'a transformée. Elle est devenue face communicant. Communique la pensée de Dieu. Communique la parole de Dieu. Communique les choses de Dieu. Papa, mungu bana mubiri paka pale na paka pale na mwachambele Yesu anenda kuevangelize. Il y avait une foule qui était derrière elle. Oh, ne te minimise pas. Il y a une foule qui est derrière toi. Ne te minimise pas. Il y a une foule qui est derrière toi. On a quand même chibo taba tu n'évangéliser tout à pomon na ifouach. Je me dis mais comment tu n'évangéliser tout aya là pas. Tunauza na ifuashi, tunamujia mwenye ifuashi, ifuashi nini? Ingine me tunamuongezea hapo. Tunamuongezea hapo na makuta, tunamujia nyumba paka umu muvip. Kama naika tafuade, pala tutasema honi pasteri, pala tunona ni mambo ya fe. Nyumba na kanisa. Amen. Elle a reçu la parole de Dieu. Directement, elle est devenue vase communicant. Elle est allée annoncer la parole de Dieu. Elle qui était rejetée. Elle qui était abandonnée. J'aimerais prophétiser quelqu'un ce matin. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Les mois qui te parlent ici, je vous ai dit que Miranza Kouchara Mazoutou et Mounini. Il y a mon copo, il y a mon chupa, mais tu es là. Nous, on a piqué. Ah, on a quoi me citer? Tu as famille, on a bien quoi me citer. Tu as un chichan, mais tu es là. Papa, mais tu es là. Mais il y a quoi ça, chichan, belle, banane, rimba. On a raconté le monde à tout ça. Peut-être c'est pour ta première fois de venir à l'église. Dieu peut te faire un vase communicant. Ma sœur, même si tu as avorté hier, mais si tu donnes ta vie au Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu peut te faire un vase communicant. Mon frère, même si avant de venir, tu as pris de la shimboki, même si avant de venir, tu as pris les bangi, mais Dieu peut te faire un vase communicant. Peut-être tu n'as pas de valeur, peut-être tu n'as pas étudié, ce n'est pas grave. Je vous ai dit, la réussite de la vie, ce n'est pas les études.
La réussite de la vie, c'est Jésus. Si les kama maisha kuweza masomo ilikuwa ni kufunda kuweza maisha ni kufunda. Frère, kwa mtu anasema français. Mais angara maisha kuna na français kuna bi fenin. Abi patane. Répète avec moi, la vie est vie lorsqu'on vit en qualité de vie. La vie est vie lorsqu'on vit en qualité. Répète avec moi, ce que tu acceptes, t'acceptes. Ce que tu refuses, te refuses. Répète avec moi, ce que tu acceptes, t'acceptes. Ce que tu refuses, te refuses. Elle était vase vile, mais Jésus l'a transformée. Ah, Jean 10, 6 à 7, la Bible nous parle de 6 vases. Ces 6 vases-là étaient soumis à la tradition des Juifs. Les Juifs se lavaient. Les Juifs laissaient leur saleté dans ces vases-là. Et ces vases-là étaient toujours dehors. Et ces vases-là n'entraient pas. Peut-être tu es marginalisé. Peut-être tu es toujours rejeté. Tu es toujours dehors. Mais il y a quelqu'un qui est capable de changer les rôles dans ta vie. Les 6 vases étaient rejetés. Ces 6 vases étaient toujours dehors. Ces 6 vases-là étaient toujours à l'écart, privés de toute jouissance. Mais avec la présence de Jésus, il a dit, remplissez d'eau ces vases. Ce matin, Jésus va te remplir. Ce matin, Jésus va te remplir. Ce matin, Jésus va te remplir. Ces vases-là étaient toujours abandonnés. Ces vases-là n'étaient pas honorés. Mais avec la présence de Jésus, ces vases ont été honorés par une nouvelle affectation. Oh, cette fois-ci, que Dieu honore ta famille. Que Dieu honore ta vie. Que Dieu honore tes enfants. Laisse-moi te dire, quel que soit le degré des problèmes, sache que ce problème-là ne va pas t'engloutir. Ça m'amène à bien. Quel que soit le degré des difficultés, ces difficultés-là ne vont pas t'engloutir. Quel que soit le degré de la crise, de la maladie, cette maladie ne va pas te tuer. Quelqu'un peut dire, passeur avance. Quelqu'un peut dire, passeur avance. Donne-moi un billet de saint. Tu as quelques billets là. Donne-moi juste un billet. Amen. Ambia voisin, c'est ma quel que soit bilo qu'on a traversé, habita qu'on engloutir. Vantou te manasse ma paka weye. Quel que soit les problèmes et les difficultés, tu n'as pas perdu ta valeur. Ah. Aounchike, bien, tu m'as ça nous expliquer. Une billet à combien? Kama mine tupa. Mina fia kuuza nao bate chika. Kama mine tupa. Mina kanyanga kanyanga. Isha mina fia kuuza nao bate beba. Bate beba. Mina ishifone. Mina tupa. Nikifia kwa nda kuuza inite pale nje bate beba. Pourquoi pas te bébé, mais ne tout pas me chiffonner? Ah, oh, prédicateur, oui. Amen. Nini? Je prends mina kwambia sema, attaque ma ma problème ina kutupa. Ma difficulté na kukanyanga. Ah, ou perdre valeur yako. Ah. Attaque ma déception na fika. Bana pandisha bantu wote mukaji wa ya panda, tu n'as pas perdu ta valeur. Est-ce que je suis en train de faire un peu de temps? Si je suis en train de perdre la valeur, on est en train de faire une valeur. Bien aimé, pour te dire que, quelle que soit la maladie, tu n'as pas perdu ta valeur. Quel que soit le problème, tu n'as pas perdu ta valeur. Attaque-moi, quand tu n'as pas ta contrat, il n'y a pas ta valeur, il y a ton tour, il y a ton accord. Oh, attaque-moi, quand tu n'as pas ta mariage, il y a ton tour, il y a ton accord. Attends, maman, tu n'as pas élevé mon cage. Pas qu'à ouais, tout rouillard, quoi, quoi, quoi. Tu
n'as pas perdu ta valeur. Même si le fiancé est parti, tu n'as pas perdu ta valeur. Tu as dit, tu n'as pas perdu ta valeur. Même si la maladie t'a englouti, même si le monde t'a rejeté, il y a quelqu'un qui marche courbé pour ramasser ceux-là qui sont rejetés. Laisse-moi te dire, le Seigneur va te ramasser. Le Seigneur va te ramasser. Le Seigneur va te ramasser. Et ce matin, que le Seigneur ramasse une sœur. Que le Seigneur ramasse un frère. Que le Seigneur, oh, qu'il te ramasse. Laisse-moi te dire, vous savez, les boxeurs, c'est ma belle, c'est ma boxeur. C'est ma belle, panda, c'est ma boxeur. Papa, autant de boxeurs, on a combat à mourir. On a combat à mourir. On a soukouma, on a blessé, bibi yake, na batoto yake. Beko inche ya nini? Ya ringi, beko na fa nini? Beko na muangaria, on a blessé. Banamuto shatamu asha abandone. Me wakati atabeba kupe. Ule bibi na batoto. Barukua basha kuikana na baba nengia muringi. Bana suleve nine. Yesu arukua muringi ya Golgotha. Bana mublese juu ya mariaji yako. Bana mublese juu ya batoto yako. Bana mublese juu ya nyumba yako. Bana mublese juu unyangule nini? Unyangule kupe. Laisse moi te dire. Tu vas soulever le mariage. Tu vas soulever aussi le travail. Tu vas soulever. Dis d'abord passer avance. C'est ma passer avance. Monte passer avance. Mire, c'est vendredi, Maïcha. Il vous a mon achat, j'ai des cartes nanini. Ah, pas de barbouille, amo. Il vous a mon achat, j'ai des cartes nanani. On a un achat de cartes. Cabana coupica. Ah, nini. Oh, c'est un gagne. Calabotona a stoppé ma finance. On a stoppé ma compte, on a stoppé ma poussière bien, on a stoppé ma tâche, on a stoppé cage, on a stoppé l'évasion. Dans mon temps, on a dit la fin, ou tu es ça, mon carte, on a pris la dernière, nini, nini, on a voulu retoucher tout l'oufou, on a voulu retoucher ma tête, on a voulu retoucher la déception, on a voulu retoucher aïe. Puis on a quoi, c'est un moment de fin, nini, puis on a carte, on a pris la 8. Interdit. Analomba kazi yako, analomba batoto yako, analomba nyumba yako. Pale yuko na kulokotisha hapana kuacha kulokota. Pale anakupika enter demande unalokota talokota joker. Joker anakuwa ni Yesu. Yesu ananilaka mateso. Yesu ananilaka haya. Yesu ananilaka chômage. Yesu ananilaka oh! Sema anile. Sema anile. Monte anile. Panda anile. Il va annuler la mort, il va annuler le chômage, il va annuler l'échec, il va annuler le divorce, il va annuler l'accident au nom de. Oh, achani kuambia, siku moya, banabamba mwanamuke moya, mubusarati. Sema se busarati abuna bien. Pourquoi va kumuleta ke mwanamuke, paka mwanamuke. Banamuke banilaka souple, ni mbio. Banaleta nini? Mwanamuke. Ah, banamuleta en présence ya nani? Tu es le mirse kumwanzo, les ennemis commettent quoi? Les erreurs. De nous laisser venir. Oh, liye ba mulapide kwa bo benyewe. Banamuleta en présence ya nani? Oh, acha ni kwambie. Banamuleta. Papa, banamuleta en présence ya nani? Ya Yesu. Banesha kumubebe ya mamu alon. Sema bila se bavye ya kartye. Sema bien bavye ya kartye. Bavye ya kartye kila mtu na nini? Na mwalo. Bamufe nini? Bamulapide. Me Yesu anangaria. Biblia nasema anashuka nini? Oh, anashuka chini. Anasa kufa nini? Acha ni kuambie. Ule mwanamuke anachana mbele na Moise. Moise lui a vu l'écriture. Me inapa vu l'écrivain. Mais cette femme-là a vu elle écriture et l'écrivain. Acha niambia mtu mwa msumibu wa leo. Wakati bantu, beona kukondane. Yesu bonanjika paji ya sasa. Leo busubuta ishi mambo ya sasa. Leo busubuta ishi mambo ya sasa. Leo busubuta ishi mambo ya sasa. Mina kuprofetize. Bale bavye bote ya kartye.
baribeba mwalo ya kuwa kazi yako, ya kuwa mariaji yako, ya kuwa batoto yako. Wakati Yesu eko na njika, kumbi bale bafia karte parukua basharati, parukua bamwishi, parukua babandi, parukua bamerme. Wakati Yesu eko na njika, kila mtu eko nafanya nini? Eko na kimbia, magonjwa itakimbia, mateso itakimbia, osheke itakimbia, haya itakimbia, 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 itakimbia. Sema busubui bwale. Mamwalo yote ile bari nibebea ya kulapide maisha yangu haitanibamba, 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 haitanibamba. Onote je sema bavia ya quartier, sema bavia ya quartier, ile mamwalo yote bari nibebea haitani bamba. Busubibu wa leo, mamwalo yote ya mateso, ya haya, ya mashimango, ya busharati, ya lufu, igunatoka, igunatoka, igunatoka. Onote. Acha nikuambie, bale bari baoa, mamaria shayaishi. Bale bari pata makashi, makashi yafanin na yaishi. Bale barukua elefe, mina kwambia elefe, so ya fani ni hayaishi. Biblia nasema hivi, siku moya, sema siku moya, panda tena siku moya. Biblia nasema siku moya, batoto wa Israel, banafika pa mutoni, Mungu analeta rekomandasyon, ba sakrifikater, ba bebe arsh, ba bebe mikulu yabo wake munini, mumai na arsh. Wakati wa watena mikulu yabo mumai, basha kubeba nini? Arsh. Aba bengine bengo nafua nini? Bengo natambuka. Acha bantu batambuke bengie umakaji. Acha bantu batambuke bengie umamariage. Acha bantu batambuke bengie umelevasyon. Me mwisho ya yote, na basakrifika tena uwa tafua nini? Bata tambuka. Petetre bengo naowa bantu mufamie enu nijue ye. Usha kubeba arsh. Usha kweka mikulu mumai. Mambo kwa nguvu tena masana leo. Tutaomba leo. Tutafanya nini? Niko naambia mtu mmoja. Leo bila yote ni kwamba kusema sema Faraon. Sema shuku mwa Faraon. Sema shuku mwa Faraon. Mungu anamtuma Moise banki. Wanda mwambia libere batoto ya nini? Yaisi. Kuna chasa kwa. Wanda mwambia libere batoto ya nini? Faraon, Moïse anaenda kwa Faraon. Moïse anaplike miracle. Pamazia Faraon na wanafani, bana ifanya. Mina kuambia sema, huku madimansuela uyamuyo wa Mungu. Unana kama usha kumusobelea Mungu, mumalari ya kichwa, Mungu ananyonyaka na sida. Hapa niku nasema sida yote, kama kwa mumaungu yako, damu ya Yesu iku nenyonya. Hapa niku nasema kanseri yote, damu ya Yesu iku nenyonya. Hapa niku nasema sterilite, damu Yesu iku nenyonya. Hapa niku nasema malari lo na yua, na ila uyuwe, medamu ya Yesu iku nanyonya. Mama Mungu anamtuma Moise. Moise anenda, Farao anafanya nini? Anakatala, sema kartushi ya mwisho kwako. Sema bia kartushi ya mwisho kwako. Alors Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez appliquer les censures, les lenteaux. Leo damu ya Yesu itanyonya. Pendant qu'ils ont appliqué le sang, berger, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de la destruction est passé. Unaya mambo ifanika. Kwanza kwa Faraon alikuwa kutroa. Na kwa uisie. Bana perdre banini? Ba premier né. Unayo en d'autres termes. Mu Egypte murkuwa dei national. Inachana hii yetu ya, baka mwena sakuwa na uwa, batereza sede nasionali. Ile ni kila familia kuku nini? Nani atariricha nani? Nani atajika nani? Mina proklame mukaya baenemi yako leo mungu dei nasionali.
Mina proclamé mukana benemi yakolwa muku nini? Sasa conséquence il quoi nini papa? Wakati pourquoi deuil national na balé ba agent ya DGM ba kwa ku frontière na ba JE ba agent ya ANE bote ba kwa na nini na birio comme conséquence ma frontière yote nafa nini na frontière ya maisha yako inafunguka frontière ya kazi yako inafunguka frontière ya mariage yako inafunguka frontière ya kazi yako inafunguka frontière ya santé yako inafunguka frontière ya ikanisa nafa nini. Unaona vile bote walikuwa na kirio. Bana ni basho kwenda ku frontier. Bale bajan ya DGM ya ner ya nini ya nini. Bote walikuwa na kirio. Kila mtu bwana alitokea na kitu kile anafanya nini? Anapenda mimi na proclamer frontier ya maisha kuanza kufunguka mjina la Yesu. Frontier ya santé kuanza kufunguka mjina la Yesu. Frontier ya mariage kuanza kufunguka mjina la Yesu. Frontier ya akili ya watoto kuanza kufunguka mjina la Yesu. Frontier ya finance wao wanafunguka au nom de Jésus. Dis d'abord oh Dieu. Ce matin, toute frontière de ma vie, mina tangaza, ifunguke, au nom de Jésus. Sema yuko nafunguka. Ah, bote wanasema paka wewe, sema yuko nafunguka. Unaona ma déclaration tu unafanya hapa? C'est utatoka tu hapo unapatana déjà na fiancé. Anawa kuleta ya sauti kwa mama pasteur. Mama pasteur nda kupeleka mambo kwenu. Sema busubui bwa leo. Ma frontière yote ya maisha yangu ikunafunguka. Ikunafunguka onode. Oh sema mbele sa Yesu devant tuburi ya Lazare. Sema je sors au nom de Jésus. Shimama sasa na yulu unapiga na pasteur sema je sors au nom de Jésus. Ah, imagine mupite sasa. Tunafia kufa nini? Kulomba. Ne kulombelela. Mushite gamme. Wakupika duru mupika bien. Tunafia kufa nini? Leo huko natoka mutuburi moto. Angaria le mutuburi ce n'est pas un lieu de vivant, c'est un lieu de mort. Kama banesha kuweka mariage yako mutuburi. Jua mimi nisema ukurana semene ke shiba la tusta kuhuwa. Tukuna kona wani? Banyeba kukuhuwa njoo mamu. Kama banesha kuweka finansi yako mutuburi. Sebusila jesi ya kriye Lazare. Leo huku natosha biyote bareka mutuburi. Maître César. Kwa kutosha jua kupata madosye payan. Yapi madosye minene. Il faut que nous fassions un petit peu de temps pour nous faire un petit peu de temps.
Ala sita mpapa marufa na cha nyumba mwa banasa kukia na ayo. Tosha finansi yako msimetie. Amen. Tosha butumishi yako msimetie. Amen. Pika mikono. Bushu wibu leo. Maisha yangu. Mina itosha. Msimetie. Omada. Unatia kufikia hapo sasa. Unatia kufa nini? Leo inatoka mchina la Yesu. Mina sema leo natoka mujina la Yesu. Mina sema leo natoka mujina la Yesu. Biga mikono busu wibu leo. Maisha yangu kwaliweka inatoka. Kinasi yangu inatoka. Tekniko unipandishia mikro yangu unipandishie. Jo mimi na pompa kambele mimi mwenyewe mikro. Leo toka msimetie. Dada mariage yako leo Mungu apasere Elise kwa mutendo. Leo Mungu wa mama apasere leo kwa mutendo. Mariage yako leo itatoka. Finance yako leo itatoka. Promotion yako papa leo itatoka. Elevation yako leo itatoka. Frère, Dieu est capable de t'engager bila kupeleka demande d'emploi. Piga mikono, busu wibwa leo. Finansi yangu, mariage yangu, elevation yangu, sante yangu, ikunatoka. Onoje. Pika mikono, toka. Ninatosha, hatika jina la Yesu, hatika jina la Yesu. Hallelujah, Jesus.
Attention, frère, on va bien. Ne te contente pas de cette vie. On est là pour manger un mouichou, un mouichou. Dieu t'a appelé à de grandes choses. Mon bon chat, vous pouvez occuper ma poste minéne. Après, vous vous contentez de manger un mouichou. Non! Ma soeur, prie bien. J'ai dit ceci, Dieu ne peut pas vouloir la chose et son contraire. Il ne peut pas vouloir la chose et son contraire. Au yako na kubakiri ya miaka ngapi ya kuishi? Kama unakufa leo utachia watoto yako nini? Ba mama na mwe kama unakufa mtachia ba bwana nini? Basi ba bwana ba bibi wanaona paka sasa ba baba njoo watebachi. Na mwe ba mama kama unakufa utachia bwana nini? Mimi namposea bibi yangu sio utakachia watoto. Watoto tu alibasala yemo. Shishi bote. Kama banesha kuweka promotion yako msimetier. Frère ou t'es-tu contenté dans la vie? La vie est vie lorsqu'on vit en qualité. En gara, mimi, je vois que vous chindiquez à mon tout padounia. Oui, comme vous voyez, vous chindiquez à tout ça, vous fiquez à roudir à ça. Bon, bon, vous savez. Tout le monde a peine à mon ministre, on a tout à ma ministre. Tout le monde a peine à mon ministre, on a quoi à ma PDG. Tout n'a peine à mon mission, lorsqu'il y a un problème, il y a 5 000 $, il y a 10 000 $. Monte moi, ne chiche à tout. Papa, pas n'a pas qu'à mine chiche le mambo. Léo Bakri supporte, va y avoir un aririria. Vous voulez savoir que ce n'est pas. Va y avoir cassé, c'est bon à toucher avant tout. N'a ou là, je suis miguel ou cassé, c'est bon à toucher avant tout. Pendant que cassé, c'est bon à toucher avant tout. On a pas le monde qu'on a ici. On a pas le monde qu'on a voyagé. On a pas le monde qu'on a yenga. Léo finance yako etoke mu cimetière. Écoutez, le cimetière ce n'est pas un lieu de vivant, c'est un lieu de mort. Kama finance yako, mariage yako, dada, kama ko mutubuni. Si a tout ça ko watu na bona wa bien, benye ba kuko wa njo mambo. Pika mikono, bonjour oui moi Léo. Yangu biote. Dile biko mu cimetière. Iku na toka. Léo, on va ça après à pas à outa ou pas catena. Pika mikono, vous souvivez, Léo. Mina tocha. Yangu diote. Pika mikono, vous cimetière. Toka. 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 Au nom de. Pika mikono tocha. Pika mikono. Allez, nom de José. Allez, nom de José. Ningu na tosha, ningu na tosha, ningu na tosha. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah.
Mama yulu, mama, mama na na beba mtoto mwenye mukongo. Unyangalie kwa. Amen. Miri sema hivi. Le diable peut te laisser. Mama il bloque ce qui est essentiel pour maisha yako. Amen. Amen. Le diable peut te laisser mais il bloque ce qui est essentiel. C'est pour cela mambo haina kuishi. Mambo ni kuacha na maalama. Amen. Mambo anakuacha na nini? Mambo haina kuishi. Bose mbele kuwazia ya kwa siku. Huku nafurahiwa na ile maisha kuna. Utashia munga sepa. Miaka ngapo naishi ya furaha ile kazi ya. Papa miri ya miniaka depo mtumbwa mamangu. Atukatale. Miaka ilo onelitapa ya kuamini. Miaka ngapo naishi na furaha ya ayo. Utasema leo Luka. Leo miri sema seya voisin. Leo tatabiri leo. Ha. Milango ya, front, ya maisha yako ifunguke sasa. Écoutez, la vie est faite de portes. Et les portes là ce sont des opportunités. Leo milango ya maisha yako ifunguke. Pika mikono busu wibwala. Milango yote ya maisha yangu ile ifunga ifunguke onode sha. Amen. Amen. Mubache wewe unasema lugha. Mbona hapo ulikuwa mimi nasema na baba bebe balamuke. Papa. J'espère que je suis pas bêta max pour le Mumbashi. Ou t'as pas le ma photo et banamou qui va chaque baouka bilanini, mangoua. Nabo baribaza, la capansa batoto bot. Banabakunya na masikre, banapikana bikelekele. Mais chétan al kwa chakouya sema, mumiaka fulani batansa ko tourne ma film à Mubaye. Aboba bandi baransa ko jibiriaka ma classique aba. Nabo baribaza, la capansa banini. Batoto bote, mais shetani alikwisha kuyua. Mwaka fulani batakuwa babanzi. Sekusela ule mtoto unayo muombe bien. Au yaonaka mama alitesekea mtoto. Mama anoshisha na nsombe pa kichwa na makala. Me mtoto anakomea na bamba dawa na mtoa nini? Mama. Ne sois pas distrait, le Saint-Esprit est déjà en action. Miri sema mina ya vile tunansa, tu ya vile tutafa nini? Pika mikono busu wibwa leo. Milango yote ya maisha yangu yanze kufunguka. Onode. Pika mikono omba, pika mikono omba. Ale note chese, ale note chese. Hallelujah.
Vendredi que vipère à la mata comme on connaît nani ya Paul papa c'est que j'aime Paul n'a pas secoué vipère mubantu mais a risecoué munini mambo ya kwa pana kusema oh sangaji hapa tuna na mambo na sangaji mateso ya kwa pana kutupiana hayo oni ba muloko oni mamaleki beba mateso jole vipère umusecoué munini mu moto. La Bible déclare il est l'effet dévorant. Ah, après nous on a sema, et qu'on a nyonya na siva, et qu'on a nyonya na mateso, et qu'on a nyonya na cancer. Mina proclamé mon maïsha ya muntu moya. Ba médecin ba risema uta sala. Ba médecin chini bantu. Nana riba umba. Sasa Mungu ya nasema nini? Moto ya Roho Mtakatifu ambaye unasema iko na nyonya miomo atabari koperaka bana tosha biote vya mtumbo mishiwe kule mtoto atekaria mimi mambo inyangalie mimi naamini ku miracle. Kuko na cancer, cancer inapotea. Mimi nasema cancer inapotea. Malaria yote iko mu maungu yako. Mina proclame busubui wa leo hii unapotea. Sema Bwana Yesu. Amen. Ba berje ba mpa bale ba maluka mwende na abo mule. Kitu kuna bagi yako. Ba protokolo mbaba le bena ba maluka bena sema maluka mwende na abo mule. Chitu kuna ishana umu. Biblia nasema il est le fait devora. Il est le fait leo eko na nyonya biote. Eko na nyonya biote. Mimi nakwambia sema après i maombi tu vas témoigner. Mimi nasema tu vas témoigner. Unaona pourquoi tu unapiga mikono? Inye mazembe. Juu ya tumpepo twa mwingi hivi tukumkipompa. Kama na bamba tu mumakila, bantu wako na luka.
Il est makuta et les chats tous tapata. Bonjour, batapata. C'est quoi ça? Pika mikono, bonjour, oui, voilà. Il est le sama. Tu es le feu. Ma douleur est en tombe, il a une normale. Tamu ya Yesu na inyonya. Ataba kusemeaka misemo ke wa utendelea. Busubui bwa leo. Damu ya Yesu kuna fanya nini? Ikuna nyonya. Ataba niwekeaka malimite. Wa utatumikaka, wa utasalaka, wa utakuwa eleve. Ne busubui bwa leo. Damu ya Yesu kuna fanya nini? Ikuna nyonya. Sema dabori, il a effacé. Il a effacé. L'acte. Ashikuishime na mai. Ashikuishime na essence. Yes. Arishima na damu yake. Musubuibu wa leo. Ma ordonansi yote. Ma ati yote. Monde ya tenebre. Ili anjika. Jia maisha yako. Kuna yefase. Onodesh. Yes. Amen. Mita wako mifunishaka de letre. Mesdames, il y a un peu de témoignage. Maman, utazala. Mina sema utazala mujina na Yesu. Frère, ma limite yote balikuwekea iko nanguka mujina na Yesu. Mais à partout, on a déclaré ma effet de jeu qu'on a foigné. Miri m'a bien mis à sema baribeba arch. Yes, soit je connais qui fouata arch. Je n'ai produit manini. Mina quand bien sema maïcha ya quoi pas ni qu'on a semé dans sa produit ma effet. Il n'a sa produit ma effet. Il n'a sa produit ma effet. Oh non. Bible nasema c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi une journée de joie, amen, d'allégresse. C'est ma belle, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi une journée de joie, de guérison, de miracles, d'élévation, du travail. Oh non. Qui l'a monté à bébé téléphone, Yak? Bébé téléphone, bébé téléphone. Là, il va jouer mon baguette par où? Bébé téléphone. Bébé téléphone. Maintenant, je suis fan de théâtre. Je suis fan de théâtre. Mon nom est un berger, quoi. Arrivé déclarant, papa, il vient de la sema, il vient de la fania. Anna déclarant, c'est ma sœur. Papouto, katoua, mota, patanani. Na bwana rasa kutumikia kwa fuashi mwai. Sere mwai kwa natoka, anona tu mutoke na fani inu. Inashimame na muniza sere pato. Yana wajitema, imamo ni yeri mfanyaka, yeri njwa rifanyaka ile mirakele kufanyaka. Yana deklare, jipi mwai na shimama. Kala vitu natoka pa jipi mwai na shimama. Inafungula maleni na sema sere pato. Yana ule sere na wajia sema, ni bantu wabayue nini address. Kumbi ni mariage kwa nansia paka pali. Haa. Rebecca ashikuyue ke Eliezer pala alikuwa desha na kifunga mlango na mahari. Ha. Mimi nakwambia sema mambo yako yataanzia paka hapo. Nyangula telefoni sema telefoni yangu. Mimi nakatala. Maapel. Ya kuniririsha. Ya deception. Ya matushi. Ya aya.
Non, mwache mbele maestrima. Sema uwe telefoni yangu. Ninakatala. Appel. Ya kilio. Ya divorce. Ya avortement. Ya déception. Ya division. Ninakatala. Sema uwe telefoni yangu. Ukuna mashikio. Kwanza leo. Nitapokea. Maapel. Ya kunibariki. Ya makontra. Ya elevation. Ya prosperite. Onode. Ah, ikala mbele, ikala mbele. Ikala mbele. Telefone yako mimi nakwambia itakubariki. Ile maapele ya kufanya kirio tunaikatala mchina la Yesu. A partir ya hapa, tuko napenda papa telefone inaria. Ni apele kusema hata mwisa kwa mkaji papa na mimi au yuwe bana kupandisha mkaji. Ni telefone inaria. Eh sera uyuwe mateste lo rufanya, mimi naona njina yako bana iretenir pale. Tunakatala maapele paka hofu na arufunjika. Oh cotisation tunakatala ile mambo mchina la Yesu. Ah baimbaje na mamu ikale mbele. Tujua tutafanya maombi ya mwisho. Muikale mbele hii mambo njoo mambo iko très sérieux. Ah, kitango kya milongo. Mungu amebariki sana. Kitango kya nini? Kya milongo. Mina kwambia se tu vas témoigner. Mina ambia mtu mwake tu vas témoigner. Mina ambia mtu mwake tu vas témoigner. Batu somera. Hapa na instrument ataka logo kashibizo. Basiste. Tiana no boru wana na reserve. Va tout sommet. Lique 7, D à 5. Lique 7, D à 5. Après, tu fais ma ombi à mouiche. Nous lisons Luc 7, 2 à 5 au nom de Jésus-Christ. Somme bien. Un centenier. Panisha saouti, panisha saouti. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Et qui se trouvait malade. Et qui se trouvait sur le point de mourir. Arwa malari kisha karibu na nini? Pamambo ya hivi na bale beko natoka bote bashitoke. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs. Unishikie, ule santenye njo arishikia. Beko na semesia Yesu quelque part, anamtumia ko quelques anciens des Juifs. Des Juifs. Chuka pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications. Disant, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes. Français, mérite pour que tu le mérite, ni pas que tu évalues. Papa, il a vu. Il mérite que tu lui accordes cela. En d'autres termes, on va dire, c'est ma Yesu. Même si tu vas laisser d'autres malades, mais celui-ci, pourquoi tu as fait
Yesu hautaenda bongo yako na ile makaprisi kunafaa pale meui. Utamfani? Utamutuza. Twende. Car il aime notre nation. Asema il aime? Notre nation. Twende. Et celui qui a bâti notre synagogue. Munifate sasa mwe bote bien na makamera filme bien. Pourquoi s'entenye mon chef moya arkwa na batravayer basan? Alors parmi les travailleurs sans papa kurukuaka moya arkuaka attaché kwa ule chef sana. Alors chez moi on est retrouvé au point et il s'est retrouvé malade premièrement au point de faire quoi? Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Ule munye ule chef fula na apprendre que Yesu ko quelque part anamtumia bantu wale bantu wanafika Yesu ukamtunzie kole bwana Yesu alikuwa anataka kule. Ana fama caprice. Mais bana kwa kutouche mambo mwele rimutenkunya Yesu. Anasema il aime notre nation. O mwenye alikuwa ni mpagano. Ya pili banasema c'est lui qui a construit notre église. Mama mama mama. Ile ataka ma Yesu arifia kuenda. Bana mupikele tunareka msoile tu amusita sema mwili regeza. Yesu analekea. Ni pale barishikia banamwambia sema c'est lui qui a construit notre temple. Wakati aliengaka temple, ashiku yuake asema shiku moya ile temple itamuleteaka guérison. Oh, onifate bien. J'attendais un bon amen de ta part. Papa wakati aliengaka paripitaka nini? Miaka. Mais wakati analukula, il est arrivé au point de mourir. Le temple que cet homme avait construit, il n'a musemea devant Yesu. Je vais dire à Yesu, ata utacha bagonjo a bote. Mais huyu pako tafani? Ata semeza Yesu, atuta kuacha. Il mérite que tu lui accordes. C'est là. Je vais dire à mérite van accordaka, ou le mungu vele van mufanini, bari mu evaluer ni kusema bana evaluer ile mambo alifanyaka ule bwana bana sema Yesu même si tu vas laisser d'autres malades mais celui-ci tu vas le guérir tu ariengaka nini ariengaka ta tu arifaka nini ariengaka temple mimi nakwambia Biblia nasema on ne se moque pas de Dieu Galates 6:7 asema ce que un homme aura semé il est moi. Unayua kumuyengea Mungu, unafika kata munivo moya, batoto yako banasa kupata babwana batumishi. Jukuku batumishi na banini? Na batumishi. Kuba babwana batumishi, mina mbeka na bibi yangu sema, uwe kupata bwana sami, unifalisha kwa action de grace. Jukwana kama na mukaji, ewa nukumisa. Kama na kumisa wapa wapi? Kunyumba. Eni kutusa pondezi. Ngo paka pampembeni. Kumutumikia Mungu utapata toko batansa kupata makazi bila kupeleka demande d'emploi. Shiku moya papa. Quand il y avait les troubles kasaye katange. Papa moya anatoa mpango yake mama kulikasi. Bana yenga po nini misa. Presa mu troubles kasaye katange, ule papa anafanya nini? Anaenda na sekara Kinshasa. Mambo leo fanyika kama mano na ndeno na ntieno na ntrua. Panapita miaka. Panapita miaka. Panapita miaka. Mu 2015, il y avait une convention à Likasi. Profete mwana alamuka. Anasema mimi nashikia Mungu ananipatia njina fulani, anataa ile njina. Pasera anasema ile njina unataa njoo munyole papa rienga alitowaka nini? Impango hii. Alors profeta anasema hapa niko namuona iko mkoma. Meju ya ile akarfanya. Mungu anampa bushimi. Profeta se passer mumuita. Bana muita bibi yake njoo kwa na nini? Na te bana muuliza se papa fulani yuko hapa sema yuko mkoma. Asemu mwambie sema Mungu anamtunza. Après des années et des années. Siku mwa buru waki bwana kimwavi kipagano. Kile kibwana kiruaki sharati. Kinapata na sida. Mais anona pasteur moya bana mutosha mu nyumba. Pasteur anasa kuhangaika na bibi na batoto.
kile kibona kinaombea pasteur na batoto kinampatia na pasteur motoka na nyumba pasteur anakuwa ma condition ya bien akikumwambia kata pasteur unyombee kio kinyenge kinasema Mungu mimi na yasema mimi nitakufa niko na sida mimi mtumishi wako atabaki kufa nini kuhangaika Mungu anamtunza. Huyu santenyer kwa na mutumishi wake alikuwa malari. Me bana sema Seigneur, il mérite. Que tu lui accordes cela. Atota cha ba malari bote. Angaria huyu arienga nini? Temple. Iku saba na mutenkunya Yesu pala rikuya. Na ule mtu anapata guérison. Siku moja Mungu anamwambia Noé. Anamwambia sema construis-toi une arche. Je veux la Bible anasema sema construis ase urijengee wewe mwenyewe nini chombo. Parce que mvule tafanya nini itakuya. Oh, la pluie c'était l'arme que Dieu avait utilisée pour exterminer la terre. Noé anajenga chombo. Apprends à tes enfants de construire l'arche de Dieu. Apprends à tes finances de construire l'arche de Dieu. Apprends à ta maison de construire l'arche de Dieu. Maman, Mungu analeta ye mwenye njo mvula. Anatuma nini? Mvula ye exterminer. Noe anayenga. Bantu yako namona sana ni mufilmi. Yako namucheka. Sana filmi ya Jackie Chan. Yako namucheka. Aloro, Dieu. Anaanza kupikisha nini? Anaanza kupikisha nini? Mvula. Vous savez ce que j'aime? Papa, arshi ilikuwa pa bulongo. Mvula iku napika, iku na uwa bengine. Meyo iku na nyangula nini? Oh, mtu mwashishiki. Vula iku na exterminer bengine papa. Vula iku na uwa bantu. Me hile vula mwamu iku na munyangula nani? Arshi. Mule ndani Mungu nani? Mina kuambia sema, Ebola itauwa. Korone itauwa. Me wota kwa eleve. Papa, ilikuwa ni arma ya Mungu. Oro, mudunia Mungu Mungu ashawa. Kupatia bantu zawadi ya kunaje bena risha batoto paka na nini? Eh atufatanye na kumatele. Baba kunaje bena risha yo batoto, me Mungu areprendra dessus ya kuwa na bale bota repartie les dons. Pendant que la pluie tombait. Ile mvula moyo moyo kuna uwa bengine. Ile mvula kuna nyangula nini? Arsh. Wakati batatosha bantu mukaji, wote jire trouver, wewe bana kuelever. Kufanya finish. Kanisa eneo kubakia na mabole hivi. Eneo kubakia na mabole. Tufane finisaje ya kanisa. Un jour, utakuwa ta mureanimation. Utakuwa mukoma. Mina miri miambia kurana la semana sema, unilaka ta parfois mambo yanafika frere. Ata nguvu ya kuomba, una nini? Hauna nayo, me mambo limufanishiaka Mungu. Inasa kuplede juu yao. Mambo mfanshaka nini? Sina kuata na 100 francs. Bayi makuta. Ata 100 francs. Ata na nini? Ata 100 francs. Sina na paro mu ata 100 francs. Mina pena tufane ko finissage ya kanisa. Kanisa yako ni muvili. Tena mu principal. Nafia tumutowe kwa Mungu. Delay ya 2 semaines. De 1000 à 100 dollars. De 1000 dollars. À 100 dollars. Délai à 10 semaines. Je n'insiste pas. Il t'a coûté mes acquis pour moi. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Papa, mon va me barrer. Papa, il faut pas m'élever mon cage. Mon va passer par le bâtiment de Sifran. Voilà, va te m'élever pas comme un amitié. De 1000 à 100 dollars. Délai de 10 semaines. De 1000 à 100 dollars. Il mérite que tu lui apportes cela. Je vous montre que je vais trouver Corona et la Pamba, dans Yesu na nyonya Corona.
50 à 10 dollars. Les 50 à 10 dollars. Les 50 ont déjà 10 dollars à poner.